Hey, 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 coucou mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché. Tout d'abord, merci beaucoup à tout le monde pour cet accueil de ce nouveau challenge. Ça m'a fait hyper plaisir. Franchement, je m'attendais pas à autant de positive attitude. Donc, franchement, merci à tout le monde et j'espère que la suite va vous plaire autant que le premier. En tout cas, je croise les doigts parce que c'est maintenant. Allez, ma petite Dita est en train de se reposer. Et après, on va réattaquer une journée de boulot puisque nous travaillons dans 4 heures à 19 h, sachant qu'elle s'est couchée tard, la cocotte. Donc, bon, bah, de toute façon, je vais faire la carrière semi-active, donc on va nous-mêmes aller se balader, tout ça. Mais ça promet d'être sympa. Puis j'ai installé un restaurant et un spa, donc je pense qu'on va aller au spa aujourd'hui pour voir un petit peu et puis pour aller faire ce qu'on doit faire pour la carrière de styliste. Elle est déjà influenceuse de style niveau 2, donc c'est pas mal. Ok, on va travailler depuis la maison. Donc elle travaille dans 1 heure et encore. Ah bah c'est tranquille, il a interviewé 3 Sims. Comme ça, on a le temps de faire des connaissances, tout ça, avec des beaux jeunes hommes dans le quartier. Mais c'est pas plus mal. Bon, elle pue, hein. C'est pour ça que je vais programmer une petite séance de lavage de mains et de lavage de dents. Dita, tu t'appelles Dita ici, mais à une époque, tu t'appelais Joséphine et tu cassais aussi les éviers. Ça rappelle les bons souvenirs, tout ça. Premier achat pour notre maison. Comme on n'a aucune poubelle sur le terrain, je vais acheter celle-ci. C'est la moins chère. Donc, on va pas se casser les pieds. Je vais la mettre là, tiens. Très bien, trouver sa place ici, la poubelle. Voilà, hein, c'est la moins chère, c'est la mieux. Comme ça, je pourrais débarrasser ça. Et voilà le spa que j'ai téléchargé depuis la galerie. On va aller voir qu'est-ce qu'il renferme. Oh, comme un spa normal, j'ai envie de dire, hein. Hop. Ça, c'est quoi? Ah, on a un bar, carrément, tout ça. On peut faire du sport. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est très, très bien. Il y a une douche! Ouais! Bah, tu vas prendre une douche déjà pour commencer, ma belle. On va faire un peu de yoga. On peut faire de la méditation. Ouais, c'est cool! Il y a pas mal de choses. Et puis, bah, déjà, on va aller prendre une douche. Et puis après, on va interviewer les Sims. Ah non, j'ai cru que c'était elle. Mais non, ce n'est pas Dita, c'est une autre personne. Bon, bah, en tout cas, on va s'amuser un petit peu. C'est le prof? D'accord. Oh, bah oui. Eh bien, viens là, dans ce cas-là. Comment on fait? Ah ouais, 10-110. Bah non, alors, tu vas t'entraîner toute seule. Hein. Tu vas pas suivre, c'est trop cher. Mais bon, elle se débrouille pas mal quand même, hein. Tu vas pas trop en faire. En plus, t'as pas été prendre ta douche comme je t'ai demandé, mais tu vas interviewer après. Donc, ouais, avant que après, on peut rester là si tu veux, mais il faudrait que tu quand même que tu lui parles, amical. Tu vas te présenter et puis tu parleras à elle aussi. Ah ben, on la connaît déjà, c'est parfait. Tu vas pouvoir l'interviewer. Parce que c'est assez facile finalement. Tu fais que interviewer les Sims pour ton boulot. C'est interview, c'est interview, c'est interview. Mais tu pues, hein, ma belle. T'as déjà interviewé 2 personnes? C'est rapide l'interview, hein. Allez, tu peux interviewer lui. Enfin, du moins te présenter. Ah, ça pue ici, ils disent. Bah oui, bah, c'est Tita. Qu'est-ce que tu fais? Meuf, va lui parler, je t'ai dit. Va lui parler à lui. Elle est où? Va lui parler. Ok. Allez, on s'active. Tu te présentes. Voilà. Non, tu parles pas à elle. Je veux que tu interviews un homme. De temps en temps, ça peut être bien, quoi. Un cours de yoga commence dans. Ouais, mais c'est cher. Amical. Tu vas complimenter la tenue. Oh, vous avez un très très beau. Comment on dit? Costume. Ah mince, je sais plus. Costume de travail, quoi. Allez, t'interview et puis on aura bossé pour la journée. On va être payé à pas faire grand-chose. Ouais, on a gagné 136 flouzes! Bon, maintenant tu peux aller te doucher, ma belle. Dépêche-toi. Un petit peu de méditation. C'est pas mal non plus. Zen. Il y a ce mec-là que j'avais créé une fois pour un. Pour. Voilà! Comme ça, et en fait, il est plutôt pas mal, donc je pourrais le mettre à soumettre au vote, de savoir lequel des hommes vous préférez pour la mettre en couple.
Regardez-moi le bétail. Une belle touffe de cheveux, un bon look, une belle gueule. Voilà. Ah. Mais non, mais tu dois parler à lui. Pourquoi? Il y a un autre type qui vient là. On s'en fout. Oh là là, c'est très bizarre les Sims en ce moment. Tu leur demandes un truc et puis non, ils font pas ce que tu as demandé. Il est tendu. Bah zut alors. Non, tu vas pas suivre. Pourquoi tu vas suivre absolument un cours? Tu vas le complimenter. Tu vas te plaindre de la chaleur, c'est canicule. Et tu vas. Ah mince, tu as déjà complimenté. Bon, bref, on va discuter avec lui. On va se renseigner. Savoir qui il est. Oh, bah, le petit roux là. Morgan Roux. Non, mais lui, il est marié, je crois. J'avais vu qu'il était marié. C'était un flic, sinon. Voilà, on en apprend tous les jours. Hein. Donc lui, c'est Jamie Hyde. Tu vas faire connaissance. Parler de la température très chaude. Nous voilà rentrés à la maison. Il fait sombre quand même pour 19h, je trouve, moi. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Apparemment, on m'a dit dans les commentaires, bon, ça c'est bon, hein, elle aura bientôt sa promotion, que je vais devoir développer tout ce qui est peinture aussi. Et je crois que j'avais vu un truc de. Ah, voilà, ici. Vendre un collectionneur! Bah, tu vas évaluer l'impression. Oh là là! On va avoir plein de thunes! Oh, puis après, on va acheter des pièces. Et tu vas la vendre, parce qu'on peut la vendre, donc c'est plutôt bien. On va passer à 2500 simflouz, donc c'est énorme. Oh, 2600 même. Allez, tu vas me faire une toile classique à 100 simflouz. Ceci, il faut augmenter ta compétence de peinture, autant s'y mettre maintenant. Et une toile de fête. Oh, 148! Bah, ça va, hein, niveau compétence, c'est qu'elle a gagné quand même pas mal de trucs, non? On est quand même. On a pas mal chauffé, on a pas mal de choses. On a fait un feu de tout déjà. Ok, bon, tu vas rentrer. On va rentrer à la baraque. Et tu vas manger un truc, genre des petits pois, une connerie comme ça. Et voilà, petit pois, et ce sera dodo avant la journée de demain. Pour le déblocage des pièces, je vais donc déjà le faire. On va débloquer le couloir et cette pièce ici, puisque j'ai déjà une compétence charisme à 3 et il m'en faut une à 3 plus 400 simflouz pour débloquer cette pièce-là. Donc c'est plutôt bien. Donc ça me ferait 900 simflouz de moins. Alors, ça ferait 1758, puisque c'est 500 le couloir et compétence 3 plus 400 simflouz pour cette pièce ici. Donc ça fait 900 en tout. Donc en monnaie. Je serai à donc 1758. 1758. Voilà, moins 900 simflouz. Je peux donc maintenant débloquer et débloquer. Et on va tout de suite. On va peut-être pouvoir meubler tranquillement aussi. Ça pourrait être pas mal, ça. Hein comment je vais faire? Je vais mettre déjà de la lumière. Parce qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas. On va mettre une petite lumière bien sympathique. La lampe sous-coupe. Oui, à la limite pour le. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Pour le couloir, la lampe sous-coupe, pourquoi pas. Ouais. Ouais, j'ai envie de mettre celle-là ici et celle-là là, comme ça, voilà. Est-ce que je peux vendre cette lampe-là? Je ne sais plus. Je ressors les règles. Est-ce que je préférais ne pas dire de bêtises? Oui, a priori, je peux, puisque j'ai acquis, entre guillemets, cette pièce-là, même si je ne l'ai pas acquise parce que je l'ai eue avant. Alors, je vais pouvoir mettre la chambre ici, et ça, c'est cool. Je vais pouvoir mettre un canapé aussi. Un petit canapé, hein, voilà, un petit truc qui coûte pas trop trop cher. Tiens, on va mettre un canapé bleu. On va le mettre là. Et on va aussi mettre un toilette et une douche. Je pense qu'avec 1100, on peut. Attendez, on va peut-être prendre la douche avant. 800. Ah. Douche à l'italienne, douche chuteau. Rêve de licorne. Allez, on va prendre la licorne.
Comme c'est tout le couloir qui m'appartient, je vais faire ça comme ça. On va la faire les jaunes et un toilette. On va prendre celui-là. Ok, c'est bon, je n'aurais pu aller très très loin. Ouais, c'est bien. Il faudra juste pour... Parce que là, je vais mettre le truc ici. Ça me paraît logique. Quand leur toilette, elle sert à les mains ici. J'ai la poubelle, j'ai le frigo. Il me faudrait une petite table quand même. Une toute petite table. Ben voilà, comme celle-ci par exemple. Est-ce que j'ai encore assez d'argent? Je suis pas sûre d'avoir assez d'argent pour une chaise. Ah si! Oh oh! Je vais prendre celle-là. Prendre en bleu. Je suis pas sûre qu'en bleu soit joli. Non, mais celle-là, elle est encore pire. Alors, 30 ou 30? Ouais, ben c'est la même chose. Donc, je vais prendre celle-là. Bah oui, en bleu, allez. Voilà! Il me reste 14 Simflouz. Mais au moins, j'ai déjà avancé dans le challenge. Nous avons 3 pièces. Éclairage automatique. Tous les éclairages. Parce que sinon, on a des... Remarque, on ne paye pas les factures. On s'en fout. Hein. Mais bon. Ça, c'est une maison qui ressemble quand même un peu à une maison maintenant. Donc ça, c'est bien. Je suis ravie. Prochaine étape, quand on gagnera la promotion, parce qu'on est au niveau 2 et qu'on atteint le niveau 3, je pourrai débloquer cette pièce-là, où ce sera vraiment une salle de bain, là, pour compte. Je pense, vu la taille, je pense que je ferai vraiment une salle de bain. Voilà, elle s'habitue déjà à sa maison. C'est parfait! Bonne nuit, Midita! Ok, c'est le boulot. Satisfait, 130, ok. Et on va travailler encore une fois depuis la maison. Et encore interviewer des Sims. Bon, bah, ça va être nickel, hein. Franchement, ça va être sympa. On va encore partir en ville. Et on va rencontrer encore des gens. Ça y est, tout est dans le verre, mais elle est prête. On va aller en ville. Et on va aller interviewer les Sims. Et nous allons à la bibliothèque. Et ils sont déjà en train de squatter les ordinateurs. C'est pas grave. On va donc... tu vas te présenter. Et tu vas discuter. Pour les interviewer. Et de deux! Allez, tu vas... Ah oh bah tiens, elle. Elle. Bon, elle est vénère. Mais tu vas pouvoir lui parler et l'interviewer aussi. Ça, ce sera fait. Elle a un bon style en plus, ça va le faire. Et niveau 4 en charisme, ça c'est bien. Allez, ça y est, on va interviewer. Ça bug un peu, mais elle interview. Oui, nous avons encore gagné! 130 Simflouz! Ça, c'est parfait! Bon, on n'est pas encore en excellent, mais je vais parler tenue avec beaucoup de monde, je pense que ça va aider. Oh ouais, t'es encore là, toi? Tu me suis? Tu nous suis, là? Dis donc, tu caches quelque chose, tu es un stalker. Tiens, 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 il y a encore Jamie. Jamie Black, ce coup-ci, t'as Jamie Blanc et Jamie Black qui nous invitent au resto. Oui, on arrive! Lui, il nous aime bien, je crois, lui. Il nous aime beaucoup. Oula! Ah d'accord, il allait dans la piscine. Mais écoute, salut Jamie. Ah, on connaît bien maintenant lui, hein. Alors, dans ce cas-là, on va dire... Non, mais il est tout le temps là, lui. Vous avez vu tout à l'heure Jamie Blanc, mais lui c'est Jamie Black. Voilà. Donc, vous pouvez déjà dire votre avis sur lequel des deux vous plaît le plus pour qu'elle se marie. Pourquoi pas? Et donc ce restaurant est un restaurant japonais que j'ai pris sur la galerie. Waouh! Ah, il est très très bon. Hein. Le boulot est très bien fait. Par contre, il est juste pas dans le bon sens. Hein. Faudra que je change de sens parce que voilà, c'est pas très bien fait. Mais bon, on va aller prendre une table. Et donc c'est ici. Voilà. Comme ça, on va aller manger avec Jamie Black. Ah bah non. Ah bah d'accord. Ils ont préféré piquer une tête dans la piscine là. D'accord. Tout va bien, c'est normal. Bonjour madame, je suis à moitié nue dans votre restaurant, mais je voudrais une table. Est-ce que c'est possible? Elle a l'air blasée, elle. Ouais, tu fais chier, mais ouais, ok, on a encore une table. Oh, je vais avoir une promotion. Ça, c'est cool! Merci madame. Bon, par contre, tu peux te changer, s'il te plaît, parce que là, quand même, ça le fait pas. Voilà, tu vas mettre ta tenue d'été peut-être, mais tu te changes. Voilà, ce sera mieux, t'es plus présentable. Bon, c'est vrai que c'est bien sympa le resto, mais on n'est pas non plus très riche. Donc ça va être salade du jardin pour deux personnes. Parce qu'il faut pas déconner. Et je ne
choix du chef gâteau au chocolat, on va prendre un gâteau aux fraises pour les deux. Voilà, ça fera 10 simflouzes. Eh ben c'est parfait, ça n'est pas trop cher. Elle a commandé passer, mais alors le gamin derrière, c'est juste une horreur. Je le vois faire ça me rend ouf moi derrière. Non, tu vas pas jouer à ça, mais qu'est-ce que tu fais toi? Bah, discute avec lui, je sais pas, il t'a invité. Ça se passe super bien, en tout cas, ils s'entendent de ouf, donc bon, voilà. OMG! Quand ton rancard se met à chanter et que tu as très mal aux oreilles. Bon, ça va. Il a arrêté. Il suffit de discuter un petit peu. Mais là, il va devenir limite notre meilleur pote, quoi. Donc. Ah non, mais les gosses! C'est pas possible de faire ça là! Oh là, c'est insupportable. Hein. Bon, ce serait cool quand même d'avoir notre commande parce que là, il est un peu 23h. Je sais pas combien de temps on est là. Et on n'a toujours pas bouffé! S'il vous plaît! Non, mais là, c'est bon. On va se barrer, bah ouais, on a la dalle, chef. Bon, j'en sais rien, moi, qui c'est qui est chef, mais on se barre, allez. On va abandonner la table, c'est bon. Là, ça commence à bien faire. Il est plus de minuit, on n'a toujours pas bouffé. Ça craint. Bon, allez, Jamie, c'était sympa. Ah bah, je peux plus te parler. C'est cool. Assis amical. Je suis navrée qu'on n'avait pas aimé la nourriture, je vais t'informer la salle. Bah oui, bah, on se barre surtout. Allez. Adios. Allez, on est de retour à la maison. C'est pas plus mal. On va manger un truc vite fait. Des céréales. Et après, c'est doudou. Oui, parce que là, saloperie de restaurant, quoi. Je vais bientôt avoir normalement la promotion. Travaille dans 1 heure. Oui! Yeah! Cool! Promu au poste intermédiaire du métable. D'accord. Dita a été promu intermédiaire du métable. C'est très bizarre, cette formation. Elle gagnera désormais 7 simflouz de plus par heure, soit 35 simflouz de l'heure au total. Elle a reçu également en bonus 465 simflouz, carnet de dessin digitalistique. Ça, on commence à 10h, 10h, 18h. Discuter des tenues ou de mode pas commencé. Travail dans 2 heures. Bah oui, non, mais on va. On a déjà fait, on fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps. Va te laver, cocotte. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans le quartier là? Lui. Qu'on discute avec lui. Interviewer, non, qu'on discute. Attends, c'est. Non. Parler tenue. Allez. Il faudrait que tu parles tenue avec lui. Ah ben, il fait son footing. Parler tenue, oui. Oui, je pense que c'est largement assez. D'ici 10h du matin. Allez, arrête ta douche, tu vas aller lui parler. Ça va être la course contre la montre. Je sais pas où il est, donc. On fait ça à la maison! Ah bah voilà, bah. Ah si, compétence 3, écriture. Ah bah c'est super, charisme aussi. Bon, c'est un peu trop tard, mais c'est pas grave. Elle fait la bise. Mais discutez, il est en colère. Ah, mais c'est pas possible! Espèce de Sims à la mort, moi le fion là, quand même. Jacob, Jacob, est-ce que tu es beau gosse, Jacob? Ouh là, tu te la pètes. Ouh, tu es un peu trop baraqué à mon goût, hein. Un peu trop. Mais bon, est-ce que tu veux discuter de la mode avec nous? Et puis, de toute façon, notre. C'est d'écrire des articles aujourd'hui. Très bien. Bah écoutez, on va faire ça, on va aller à la bibliothèque. Hein. Parce que là, on n'a pas de quoi s'acheter encore un ordinateur. Et de retour à la bibliothèque, on va aller. Mais cassez-vous de là! Cassez-vous de là! Tu vas l'interviewer, on va vous parler tenue, comme ça la fait partir d'ici. Et après, tu squatteras le PC. Ok, s'entraîner à écrire. Attendez, comment on fait pour écrire un. Carrière? Ah! Tu vas écrire un article? Et tu vas, si vous entendez des bruits derrière, c'est mon chat. Il a trouvé une mouche, donc il arrête pas de miauler. Hein, oui. Compétence 3, écriture. Yes. Ah, oh, c'est bien. Il faut juste qu'on fasse 2 articles et puis on est bon. On aura bien fait ce qu'il faut pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, avant 18h. Bon, ça va. Pour l'instant, on est large. Oui, bon, d'accord. Elle travaille pas là. Elle se remonte juste le divertissement. On en profite aussi quand même, hein. On a le temps, il est 14h, il nous reste presque 4 heures pour faire un article, ça va, tranquille.
Du coup, styliste, on peut devenir célèbre aussi. C'est assez bizarre. Elle va soumettre un article. Voilà. Et trop... non. Pourquoi tu... Bah écoute, tu en refais un. Là, j'ai... En fait, je sais pas. On va voir ce que ça fait. Parce qu'elle en a écrit qu'un, donc elle peut en soumettre qu'un seul, je pense. Ah! Ah, mais c'est cool, en fait! Eh non, non, attends, cocotte. Mais si, tu vas réécrire un article. Allez, dépêche-toi. Vas-y, viens. Viens écrire un article et qu'on va soumettre et qu'on va gagner des sous! Ça, c'est cool! Mais oui, on a la planche comme ça pour pouvoir s'entraîner sans avoir le chevalet. C'est trop cool! On a l'appareil photo, on a ça. J'aime beaucoup, tiens, d'ailleurs, on va vendre ça. Parce qu'on a réparé l'évier et voilà, on a gagné des sous. Et ça, c'est quoi? Une compote de pommes! Mais écoute, tu vas la manger, hein? Parce qu'elle a l'air pas, elle a pas l'air variée, donc comme tu commences à avoir faim, tu la mangeras. Et tu vas donc resoumettre ton article que tu viens d'écrire. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Dita. Allez. Embauche cinq couilles. Ah, c'est bon. En tout cas, là, on a gagné déjà nos sous parce qu'on a rempli les critères de ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Donc, c'est cool. Et comme on a déjà le niveau 3 de la carrière, on va pouvoir débloquer une nouvelle pièce. Donc, c'était la petite pièce salle de bain. Ça, c'est très bien. Et en plus, on a regagné 105 flouzes. C'est la life, c'est cool. Il est encore là, il est encore là. Il est encore là. Jamie Blanc. Et Jamie Noir sont dans la place. Lequel des deux vous choisirez? On ne sait pas. Oh là là, Mazette, le beau gosse! Attention, vous voyez la pose qu'il prend pour nous, là? Aïe, aïe, aïe! On a des photos de lui, maintenant. Bon, il y a toujours mon bug, ouais, voilà. Mais on a des photos de lui de cette Simflouze, la qualité, magnifique. Allez, pour la soirée en ville, on va commander... À manger. Eh bien, on va manger un plateau de fromage et de charcuterie. Oh my god. Encore Jamie? Non, bah mec, non. Parce que là, le resto japonais, on n'y retournera pas. Non, mais c'est une blague. Mais what the fuck? Mais what? Tu peux venir ici, s'il te plaît. Juste ici. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire des photos! Magnifique! Tu pourras illustrer ton blog. Non, mais attendez, on n'a même pas eu le temps de commander que. Elle est morte, quoi, la meuf. Non, mais elle. La luche. C'est dommage, j'ai pas un assez grand angle pour prendre et la mort et la dame par terre. Donc, je vais juste prendre la dame par terre. Ah, bah quoi, il faut améliorer ses skills en photographie, on m'a dit, hein. Non mais ça tourne pas rond, hein. Maintenant le nouveau serveur il se balade avec un flingue à la main. Non mais vous avez envie d'aller là vous? Prendre un verre? Oh my god! Ce plateau de rêve, moi aussi je le veux. Oh. Alors sur la tablette j'ai envie d'essayer un truc. On va faire une impression croquis rapide, je sais pas du tout ce que ça va donner mais on va voir ça. Ah c'est trop cool, attendez on va même carrément regarder. Ce qu'elle fait avec ses propres yeux. C'est encore plus intéressant, je trouve. D'accord. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose ce qu'elle dessine, mais bon. Si ça fait augmenter ses skills. Moi, je suis partante. Bon, il se fait un peu 2 h du matin, tu vas rentrer parce que même si on bosse pas demain, quand même, ma belle. Faut rentrer, t'es fatiguée. Nous voilà rentrés, tu vas pouvoir aller te pieuter. Et moi, je vais débloquer, pardon, la nouvelle pièce. Alors, j'avais dit, c'est donc niveau 3 de carrière et 400 simflouz, donc on est à 1037, il va nous en rester 637. Je vais marquer déjà monnaie 637. Voilà, j'ai payé ma part. Je débloque. Attendez, hop, 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 hop. On va pas trop vite, les enfants. Et je vais, du coup, mettre ma salle de bain, ben, en l'endroit de la salle de bain, quoi. Voilà. Exactement comme ça. Hop! Avec une petite lampouille aussi. Pourquoi pas. Et tant qu'il me reste encore de l'argent,
je vais mettre un miroir au-dessus. Alors, du coup, je devrais peut-être le bouger et mettre là. Un petit miroir. Rien de plus simple. Voilà, pour qu'elle puisse se rassurer, tout ça, quand elle en aura besoin. Voilà pour cet épisode, moi je vais vous laisser ici, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans ma description le lien Utip pour regarder des publicités qui me donnent quelques centimes à chaque fois que vous regardez une publicité. Ça me permet d'avancer et d'acheter des futurs packs des Sims 4. Moi je vous embrasse très fort, j'espère que cet épisode vous aura plu, c'est la deuxième fois que je le dis. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la suite de la place du marché. Et n'hésitez pas à me dire entre les de Jamie qu'on a vu, lequel vous plairait le plus, sachant que, évidemment, je vais peut-être attendre encore l'épisode prochain pour faire un choix, puisqu'on va essayer de voir d'autres bonhommes, sauf si vous êtes unanime sur un seul. Voilà, allez, je vous embrasse très fort, à très bientôt, salut.